Bonjour tout le monde et bienvenue sur Foodies Live, j'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer la vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne, ça fait énormément plaisir, merci beaucoup. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune recette. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, il vous faudra 2 bananes, 100 g de chocolat noir, 150 g d'amandes en poudre, 90 g de farine, 4 œufs, 50 cl de lait, un sachet de sucre vanillé, 130 g de sucre en poudre, 60 g de beurre. Donc c'est une recette très simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger tous les ingrédients ensemble. Dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Comme je l'ai dit dans le titre, c'est une recette super facile. Allez, un coup de batteur maintenant, on mélange tout. Mélanger, il y en a pour une minute à peu près, jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Dès qu'il n'y a plus de grumeaux, c'est bien liquide, c'est bon. Maintenant que la pâte est prête, on coupe les bananes en rondelles. Découpez pas trop fines. On réserve et on met de côté. Autour du chocolat. Donc à l'aide d'un couteau, on va couper ça en petits morceaux. Voilà, une fois qu'on a bien émietté le chocolat, on réserve, on vient verser la pâte dans un moule à tarte. On y incorpore les bananes qu'on a coupées tout à l'heure. Voilà, essayez de les mettre de manière équilibrée un peu partout. On vient saupoudrer le chocolat qu'on a coupé. Donc une fois que vous avez fini de mettre le chocolat, à l'aide d'une spatule, vous allez pousser vers le fond les bananes et le chocolat pour éviter d'avoir toute la garniture sur le bord en fait, en surface. Voilà.
Allez, c'est parti pour la cuisson, 190 degrés pendant 40 minutes. Terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.